Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour on va faire ensemble une boîte cœur en bois que je viens de chez Action tout simplement et que j'ai fait pour ma mère pour la fête des mères pour lui glisser des petits billets pour qu'elle se fasse plaisir puisque vu les circonstances on n'a pas pu faire les magasins et tout. Et du coup, ben voilà, au moins elle pourra se faire plaisir et dans son magasin d'habits préféré. Voilà. Donc, j'ai fait le tuto. On l'a fait ensemble. Par contre, je l'ai mis en accéléré. Du coup, c'est pour ça. Là, je vais vous présenter ben, les produits que je me suis servi. Comme ça m'évitera de devoir vous les marquer dans les vidéos et tout. Parce que je ne sais pas le faire. Sachant que ça passe vite. Après, du coup, vous n'aurez peut-être pas le temps. Au moins, vous voyez les produits que je me suis servi. Et puis voilà quoi. Donc je vous montre le projet fini. Alors, c'est une boîte cœur en bois. Voilà. Simple, avec des charnières. Donc elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Et là, nous avons la collection Cosmos. Donc c'est un papier de riz, c'est des ronds. Mais ça, vous le verrez dans la vidéo. Voilà. Et comme vous voyez, je suis venue faire des pochoirs avec une pâte transparente, donc c'est là, relief gel que j'ai acheté chez Keepers. Donc pour info, je suis animatrice Keepers, donc si vous voulez des produits Keepers, n'hésitez pas à me contacter par mail, qu'on voit ensemble vos besoins. Moi, je teste les produits pour vous, je vous montre comment je m'en sers moi. Après, il y a plein de façons de s'en servir. Et du coup, ben après, si ça vous intéresse, je peux vous les fournir. Puis voilà, je vous donne juste mon avis. Donc ça, je l'avais pris pour tester. C'est la Relief Gel. Voilà. Et j'adore. J'adore parce que ça fait un effet. Voyez les pochoirs là. Ça fait un effet par transparence, suivant la lumière et tout. C'est vraiment trop 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 joli. J'adore. Voilà. Donc ça, c'est pour la pâte texture. Ensuite, je me suis servi de papier de riz de la collection Cosmos. D'accord. Voilà, du coup, je l'ai plus. Donc ça, c'était le même, mais en rond, tout simplement. Voilà. Cette boîte est faite pour être assortie, mais ça aussi, vous le verrez, mais après la fête des mères, à ce tableau. Voilà, donc ça c'était le cadeau, un des cadeaux. Et du coup, ben, j'ai eu l'idée plutôt que de faire une boîte avec des petits billets dedans ou quoi, de lui faire une petite boîte en forme de cœur, puisque c'est la fête des mères, et de la travailler avec les papiers de riz. Pourquoi j'ai choisi cette collection? Parce que ma mère adore les loups. Voilà, et les cerfs. Donc du coup, j'en ai profité pour mettre les cerfs aussi. Donc ça. Ensuite. Je suis venue recouvrir de gesso en premier. Et là, moi, bon, alors c'est du gesso blanc. N'importe lequel fait l'affaire. Moi, vous connaissez mon avis sur celui d'Action. Mais après, chacun fait comme il veut. Moi, je me sers de celui-là. Je finis celui-là. Je l'ai acheté chez Cultura. Et après, je testerai le blanc de chez Keepers. Voilà. Je l'ai en plus. Mais bon, je finis d'abord celui-là. Parce que c'est quand même un gros pot. Ensuite, pour le papier de riz, je suis venue le coller avec le Mod Podge. Donc ça, je l'avais acheté au salon créatif, je crois. Mais il est vieux. Du coup, c'est pour ça que je m'en sers. Vous pouvez le faire avec le vernis colle mat. Voilà. Du mix média glue. Vraiment ce qu'on veut. Hein. C'est au choix. Donc ça. Ensuite. Les pochoirs, je me suis servi de celui-là. Je crois que c'est un Trésart. Et je me suis servi, bien évidemment, du Cosmos. Hop, à mêler dessous, hop, de celui-là. Donc, vous retrouvez là-dessous les. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. En fait, j'ai pris des morceaux de rond, là, fait d'espace, hein, en gros, voilà, de planète. Voilà. Pour les peintures. Alors au début, je me suis servi. J'ai essayé avec le spray Lindy's. Donc c'est le Fresh Lila Violette. Il ne recouvrait pas assez. Du coup, je suis venue me servir du nouveau violet Sparkle.
que j'ai mis dans un petit récipient pour pas venir à mettre sur le papier et cacher le papier. Et je suis venue à mettre par-ci par-là avec un pinceau. Voilà. Et après, je suis venue me servir de la peinture Maya Gold. Donc ça, c'est mes chouchous. Je les adore, franchement. J'ai continué la collection parce que ça, c'est une tuerie. Donc j'ai pris la turquoise, comme elle est très foncée, comme vous voyez. Du coup, je suis venue la diluer un petit peu avec de l'eau. Et là, ça l'a un peu éclairci et ça n'a rien perdu de son effet métallique. Voilà. Ensuite, je suis venue mettre la bleue Ice Blue. Voilà, donc c'est toujours pareil, la Maya Gold. Elle, je l'ai mis telle quelle. Et pour venir un petit peu par-ci, par-là, là, je suis venue me servir de la Maya Gold en rose. Ouais, rosé. Rose. Voilà. Et après, à la fin, pour juste un petit peu, pour faire ressortir un petit peu là au niveau des pochoirs, un peu plus, je me suis servi de la Inca Gold turquoise et de la violette. Donc c'est la hortensia. Voilà, tout simplement. Et voilà le résultat. Donc moi franchement, je trouve ça très très joli. Je sais pas si vous voyez là que sur le papier de riz, il y a du pochoir aussi. Mais comme il est transparent, il se voit à la lumière. Alors j'ai vraiment aucune idée si vous le voyez. Vous voyez là? Je suis désolée, il fait sombre, il fait pas beau, il pleut et c'est pas un super temps, donc la lumière n'est pas terrible. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous laisse avec le tuto. Enfin, le tuto. On le fait ensemble. En accéléré. Et puis j'espère vraiment que ce petit projet vous plaira. C'est un petit projet manière qui peut faire plaisir plutôt que de recevoir une carte. Et bien. Où on pourrait glisser un chèque ou des billets ou quoi, ou une carte cadeau. Ben, je trouvais ça sympa de le faire un peu dans une boîte cœur, comme ça, plus la personne le garde après. Et voilà, ça fait des souvenirs assez sympathiques. Donc voilà. Ben, écoutez, bien entendu, si vous voulez, vous pouvez rajouter du glossé accent dessus, du vernis brillant, en fait, ce que vous voulez. Moi, j'ai laissé simple, hein, puisque ma mère n'aime pas trop quand ça brille, donc voilà. Et ça brille assez avec les peintures. Donc voilà. Mais écoutez, je vous laisse avec le tuto et je vous dis ben, à très bientôt. Thank you.
par-ci, par-là, là aussi. Voilà. Et là, on va mettre un peu de bleu clair. Alors, ça s'appelle Ice Blue. Voilà. Il est très très beau celui-là. C'est celui que je me suis servi aussi pour l'autre. Ce qui explique l'état de mon la. Par-ci, par-là. Désolée pour le bruit. J'essaye de pas trop m'en mettre partout. Vous me connaissez, moi, le bateau, je thank you.
J'adore, 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 j'adore. Vraiment, j'adore ces peintures. Je sais, je me répète, mais c'est vrai. Et vous savez que quand j'aime les peintures, et je le dis. Donc voilà, je vous ai laissé, je l'ai laissé sécher et voilà le résultat. J'ai juste remonté les charnières. Je ne pense pas les. On peut très bien les patiner. Bon là, je vais laisser comme ça puisque là, je suis un peu pressée par le temps. Donc voilà ce que ça donne. J'adore cette collection. D'ailleurs, j'espère que j'en ai qui arrivent de chez Mille et une Créations, là, de mes précommandes. Sinon, je leur en recommanderai parce que j'adore vraiment, vraiment la collection Cosmos. Et du coup, si je l'ai plus, le loup, je leur achèterai, c'est pas grave. Hein? Donc, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Même si c'est un accéléré, du coup, ouais, je l'ai passé en accéléré à cause de la durée. Je voulais pas vous faire plusieurs vidéos juste pour une petite boîte. Donc, voilà. On voit là les reflets des pochoirs par transparence. Et je trouve que ça a un autre effet que quand c'est de la pâte à texture blanche, quoi. Du coup, vous voyez, là, on le devine et ça fait trop joli. Je sais pas si vous voyez en fait. Donc voilà. Écoutez, voilà pour cette petite boîte cœur collection Cosmos. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous donnera des idées de créa et qu'elle vous montrera que c'est pas compliqué, toujours pareil, de travailler le papier de riz.
Voilà, et qu'il faut juste s'adapter au papier. Voilà, c'est pas mes couleurs, violet, bleu et tout. Et pourtant, bah, on se laisse guider par le papier. Et je trouve que c'est très, très, très joli. J'espère juste que ça va lui plaire. Donc voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis bah, à très bientôt. Bye bye.